Un meeting interdit qui vire soudainement aux émeutes à Léopoldville. Nous sommes le 4 janvier 1959, une date qui marque un tournant décisif vers l'indépendance du Congo. Des émeutes éclatent après que les autorités coloniales aient interdit aux membres de l'ABAKO, une formation politique de l'époque, de manifester. La répression est alors très violente. Une situation trouble portée par les aspirations indépendantistes depuis quelques années incarnées au Congo par l'Alliance des Bas-Congo de Joseph Kasavubu et le mouvement national congolais MNC de Patrice Emery Lumumba. Tiens, puisqu'on parle de Lumumba, en amont, ces derniers avaient organisé un grand rassemblement à Léopoldville pour faire la restitution de la conférence des peuples africains à Accra au Ghana. Vu les succès récoltés, son rival politique Joseph Kasavubu décide alors d'organiser son propre rassemblement une semaine plus tard, un dimanche 4 janvier 1959, au Young Men's Christian Association, IMK. Aussitôt, les autorités belges l'avertissent d'une politisation de l'événement et que les dirigeants de l'ABAKO seraient tenus pour responsables. Un jour avant, l'ABAKO reporte le rendez-vous, mais la foule excédée se rassemble le 4 janvier. Suite au refus de la foule de se disperser, les violences éclatent. Rapidement rejoint par près de 20 000 supporters sortis du stade après un match de football, les violences s'amplifient contre les intérêts du pouvoir colonial. Un 4 janvier sombre, des martyrs de l'indépendance qui a vu plusieurs Congolais tomber sous les coups de balles de la force publique, de la métropole, et près de 300 autres arrêtés. C'était tout simplement le chemin vers l'indépendance obtenu dans les... Thank you.